Coucou les coquins, jour 55 de mon défi des 100 jours. Et en fait, j'ai commencé par une chose, c'est que en fait, pendant que je me faisais mes cadeaux de Noël sur Amazon, oui, j'étais sur Amazon parce que c'est un petit peu plus facile pour moi en vivant à la campagne, étant éloignée de la ville, que de devoir faire les magasins et pas trouver ce que je veux du coup. Puis bon, je suis même pas sûre qu'il y ait une librairie ésotérique sur Google. Du coup, je réfléchissais à un bullet journal. Alors, je pense que je vais aller vers un classeur. Mais bon, en attendant, j'ai fait mes fonds de tiroir. Et alors là, vous allez me dire que oui, je vois effectivement les choses en rond, comme j'expliquais. Voilà le gros cahier que j'ai retrouvé. Alors là, si j'ai pas assez de place. Alors, pourquoi je l'ai pris celui-là? Du coup, parce que de un, je vais pouvoir le personnaliser et le réparer un petit peu parce qu'il a vécu. Et puis, de toute façon, je suis maman au foyer, je sors assez rarement et puis je suis pas du genre à prendre un agenda ou quoi que ce soit quand je sors. Donc, ce format-là pourrait très bien me convenir et j'avais décidé de pas dépenser de l'argent et de faire avec ce que j'avais. Voilà. Alors, truc rigolo. Alors, est-ce que je vais retomber dessus? Ah, j'ai eu un petit signe de l'univers hier. Je regarde ton nombre de pages qu'il y a. Puis, à un moment, je vois qu'il y a un truc, petit truc qui est mis entre les pages. Vous voyez, je n'ai pas pu ne pas le voir. Alors, déjà, ceci, vous voyez, ah, l'univers. Et alors, un aide-mémoire sur les tarots. Alors ça, c'est pas un signe de l'univers pour me dire que je suis sur la bonne voie, sur toutes les intentions, les envies que j'ai mis pour 2017. Alors là, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Donc je pense que je vais prendre ce cahier-là et le personnaliser et commencer la semaine prochaine à réaliser donc, mon bullet journal. Et ça va être un gros truc parce que je vais aussi mettre mes tirages et tout dedans. Ça va être un petit peu fait à ma sauce et j'ai décidé d'aller au-delà de mon souci de perfection, de mon côté très scolaire pour me laisser le droit à l'erreur, de faire des ratures dedans et tout. Bref, de laisser un petit peu le chaos envahir mes petites affaires. Voilà, alors je termine ma vidéo du jour sur. Voilà, en fait, je voulais vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Voilà. Je voulais aussi parce que je suis en plein dans les trucs de gratitude. Donc, je voulais vous apporter toute ma gratitude. Alors, que ce soit les personnes qui. Enfin, même ceux qui avec qui j'ai pas vraiment fait connaissance, en fait, mais qui me suivent, du coup, et à qui peut-être j'ai apporté des trucs, je sais pas. Enfin, j'espère. C'est pas le but, hein. Enfin, si. Le but d'abord c'est de m'aider moi, mais c'est vrai que si ça peut aider d'autres, franchement ce serait cool. Enfin, ce serait une jolie finalité en fait. Je remercie aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées avec qui en fait des liens commencent à se créer. Voilà. J'ai des petites mentions spéciales. Alors. Un gratitude à Cyril qui a créé les courriers du cœur, voilà. C'est grâce à lui, gratitude à Adèle Morisot qui m'a envoyé mon tout premier courrier du cœur que j'ai reçu en fait et qui m'a fait très 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 plaisir. Et pensez à elle parce qu'elle son anniversaire le 29 décembre, voilà. Je me dis, c'est de penser à elle. Gratitude à Patricia pour le cahier voyageur parce que grâce à toi, je me suis mis en relation avec Chris et gratitude à Chris parce qu'on a eu de beaux échanges toutes les deux et ça nous a apporté beaucoup. Ma gratitude à Chloé parce que voilà, je sais pas, c'est enfin, elle était là dès ma première saison et elle est là en fait, elle a continué sa saison pendant que moi j'étais en pause du coup avec tout ce qui est arrivé dans ma vie. Et ouais, c'est avec plaisir que je l'ai retrouvée, que j'ai vu son évolution. Et je sais pas, c'est une personne qui me touche énormément. Pour qui je ressens en fait de la tendresse, alors que je la connais pas. Hein, mais enfin voilà, c'est quelqu'un que j'ai plaisir à voir les vidéos, à voir l'évolution. Et je t'espère, Chloé, de dépasser toutes tes peurs, toutes tes angoisses. Et pour trouver vraiment la sérénité, ce serait vraiment un beau cadeau pour moi le jour où. Ben, ce sera un beau cadeau pour toi, hein, mais ce sera un beau cadeau pour moi de voir que
tu as réussi à trouver le bonheur et à aller mieux. Voilà. Mais dans tous les cas, reste authentique parce que même si c'est dur, c'est le chemin que tu dois suivre. Voilà. Gratitude pour Anaïs, voilà, parce qu'en fait, on a eu quelques échanges aussi. Et puis, je sais pas, j'aime bien la suivre dans ses vidéos. Je sais pas, elle a un caractère qui me plaît. On sent la détermination en fait derrière ce que tu vis. Et enfin, voilà. Et alors, gratitude pour Ophélie. Je sais pas, tu es quelqu'un qui me touche beaucoup. Je sais pas, à chaque vidéo, t'apportes énormément. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose en toi qui me touche, qui me calme, qui m'apaise. Donc, voilà. Je suis contente quand je te vois en vidéo. J'en oublie, mais voilà, je suis qu'au tout début de mes liens qui se créent. Je commence seulement à m'ouvrir un petit peu plus aux autres. Et, enfin, voilà. Donc du coup, je vous souhaite de bonnes fêtes. Amusez-vous bien, que ce soit nous, ce sera que tous les quatre pour le samedi soir et puis dimanche, c'est en famille, donc ça va être la grande épreuve. Voilà. Donc que ce soit en famille ou en solitaire ou autre, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et de célébrer Noël comme il se doit. Bisous, bisous.